J'ai une crampe. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis vraiment très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Voilà, vous avez eu des vidéos pendant mes vacances, mais ça a été des vidéos pré-filmées. Du coup, ça fait un petit moment que je ne suis pas passée derrière la caméra. Et du coup, ça me manquait. Donc voilà, je suis rentrée hier très très tard de vacances. Il me reste encore 3-4 jours de vacances, mais j'avais envie de faire cette petite vidéo qui sera une vidéo courrier de la semaine haul, parce que bah, pendant mes vacances, je n'ai pas été très très raisonnable. Mais voilà, j'ai été raisonnable pendant plusieurs mois, parce que si vous ne le savez pas, je vous conseille de me suivre sur Snapchat, pseudo mille une nounou sans E à la fin, parce qu'il y a quelqu'un qui s'est cru malin de faire un compte au même pseudo que moi, sauf en rajoutant un E à la fin. De toute façon, vous aurez le lien, enfin c'est pas le lien, c'est le pseudo en barre d'infos. Et voilà, mais moi, mille une nounou, c'est sans E à la fin. Et donc, si vous ne savez pas, si vous ne me suivez pas sur Snapchat, nous avons fait construire une piscine. Et du coup, bah, vous êtes très très attention, dépensez le strict minimum. Donc, c'est pour ça que vous n'avez pas eu de courrier de la semaine ou de haul depuis un petit moment. Je m'achetais quand même une petite babiole par-ci par-là, de temps en temps, mais pas de quoi faire une vidéo. Et donc, du coup, c'est bon, on a payé la piscine. Normalement, il ne nous reste plus rien à piscine. Normalement, il ne nous reste plus rien à payer, sauf si on a oublié quelque chose. Et donc, du coup, bah, pendant les vacances, je me suis un petit peu lâchée. Un petit peu trop même. Mais voilà, faut se faire plaisir de temps en temps. Alors, du coup, je vous montre ce que j'ai acheté, ce que j'ai commandé, etc. Du coup, alors je vais commencer par le dernier achat que j'ai fait hier. Donc, je les ai rachetés à une copine. Ce sont ces escarpins en noir. Lorsque j'étais sur Lyon, il y a 5 ans, je portais pratiquement que des talons. Vraiment que des talons. Alors je vous dis pas que je portais des talons de 20 cm, mais voilà, ça fait 10 cm. Et je pouvais aller faire mes courses, et je pouvais aller faire du shopping, et je pouvais marcher des heures avec des talons comme ça. Et quand je suis arrivée ici, donc je me suis mise à travailler chez moi, donc j'ai arrêté de porter des chaussures à talons. Hein. On va pas porter des chaussures à talons chez soi. Hein. Donc chez moi, je suis en pantoufles, en tongs, en sabots, voilà. Mais pas en chaussures à talons, et du coup j'ai perdu l'habitude de marcher avec des chaussures à talons. Et je trouve ça très dommage, parce que du coup maintenant quand je suis invitée, quand je fais une soirée, enfin avant, je vous dis, hein, j'en portais même la journée, et voilà, et maintenant même quand je suis invitée, je n'arrive plus à porter des chaussures à talons. Bref, donc j'avais décidé de m'acheter une petite paire d'escarpins noirs, j'en ai cherché pendant les vacances, j'en ai vu, c'était jamais ce que je voulais, ou alors que c'était très très cher, et quand j'ai vu que ma copine, elle les vendait celles-ci, je les ai trouvées très bien, elles sont assez soft et tout. Donc je me suis dit très bien, et j'ai envie de remarcher avec des talons, donc je pense que pour faire mon ménage, des choses comme ça, et ben je porterai des talons pour me réhabituer, comme ça on les porte une heure, puis après comme on est chez soi, dès que ça nous fait mal au pied, on peut enlever. Voilà, je vous raconte ma life en même temps. Ensuite, donc je suis allée dans le sud, à côté de Béziers, voir ma copine, et je me suis acheté deux coques de téléphone, donc que voici. Donc en ce moment c'est celle-ci que je mets. Je vais peut-être changer très prochainement pour celle-ci. Donc elles sont un peu du même style. Et comme moi, mon téléphone, c'est le S7 Rose Gold. C'est vraiment la même couleur que ça, que ça, que ça. Donc je trouve que ça va parfaitement avec mon téléphone. Voilà. Oui, je sais, c'est des coques avec des paillettes, avec des strass, machin. Voilà, ça fait très girly. À bientôt 35 ans, j'aime toujours les paillettes et les strass. Voilà. Ensuite, je vais continuer sur ce que j'ai acheté et j'ouvrirai les colis ensuite. Alors, il y a des choses que je ne peux pas vous montrer parce que j'ai acheté pour un swap. Je vais faire un swap avec une youtubeuse, donc on ne dit pas qui c'est, vous le découvrirez. Donc moi, je pense que je ferai partir mon swap d'ici le début du mois de septembre. Je vais attendre d'avoir, parce qu'il y a des choses que j'ai commandées aussi, donc je vais attendre d'avoir tout reçu. Et puis voilà quoi. Donc je ne vous montre pas tout. Alors je vous montre ce torchon. Alors celui-là, alors je l'ai acheté en Haute-Loire, donc où je passe mes vacances en famille au Chambon-sur-Lignon. Et en fait c'est un torchon avec une matière, je ne saurais pas, elle m'a dit ce que c'était, c'est pas de la microfibre. Je sais pas, c'est une matière de torchon vraiment très très spéciale. Je n'en trouve que dans ce magasin. Je ne dis pas que ça ne se vend que là-bas. Je n'en trouve que dans ce magasin. Je connais que ce magasin qui vend des torchons de la sorte. J'avais déjà acheté deux torchons chez eux de la même matière avec un gros cochon dessus, parce que le magasin s'appelle...
chez Gaston, le cochon chez Gaston, oh, je m'en rappelle même plus, bref. Ça fait 3 ans, je crois, qu'il a été ouvert, et ça fait 3 ans qu'elle dit que dans quelques mois, il y aura le site en ligne. Mais non. J'avais fait, la première année où ils avaient ouvert, j'avais fait un concours sur mon blog. Je vous remettrai le lien en barre d'infos si vous voulez aller voir. Donc ils vendent beaucoup de produits du terroir et tout. Et puis j'avais fait, dans une petite cagette, j'avais fait tout un lot de produits du terroir, du Chandon-sur-Lignon en Haute-Loire. Et donc voilà. Et ben là, il n'y a pas de concours parce qu'on n'est pas encore 4000 abonnés. Tant pis pour vous. Donc voilà, et donc du coup j'en avais déjà deux avec le cochon, donc qui est l'emblème du magasin, et ils en ont sorti un autre comme ça, de la même matière. Alors du coup, mes cousines et tout, elles me disaient, ah mais le cochon il est plus joli et tout. Oui, mais voilà, ça change quoi. Ça change. Donc j'ai acheté ça. Donc je vais le mettre au lavage. Et ça essuie trop bien. Bon après, ils sont un petit peu chers, hein, je vais payer quand même 14 euros. Mais voilà. Ensuite. Alors, je vous montre absolument pas dans l'ordre de ce que j'ai acheté. J'ai acheté, donc toujours dans un magasin du Chandon-sur-Lignon qui s'appelle La Chouette, ce parfum d'intérieur, ce parfum d'ambiance de la marque Durance. Voilà. Il est au bois précieux. Voilà. Et je suis tombée amoureuse de ce parfum. Ça sent trop bon. Enfin, moi j'adore. Après, vous avez plein d'autres parfums différents. Je regarderai si je trouve un lien sur internet. Parce que je crois que Durance, ça se vend aussi sur internet. Donc je regarderai. Ça sent trop bon quoi. Ça sent. J'ai l'impression d'être dans une forêt en même temps, bois précieux. Je trouve que ça sent un peu comme quand vous baladez dans la forêt. Et j'adore. Ensuite, sur le marché du Chandon-sur-Lignon, j'ai fait acheter un petit savon. Rose au Malabar, et ça sent vraiment le Malabar, et c'est tout ça. Je l'avais mis dans mon sac et tout. Mon sac sentait tout le Malabar. Il a vraiment une odeur très très forte. Et voilà, un petit savon pour se laver les mains. Donc, ça c'est pour le swap. Ça c'est pour le swap. Et sinon, donc, le tout premier jour de mes vacances, que j'ai été en vacances le 5 août au soir, et le 6 août, j'étais à Nice. Toujours pareil, si vous me suivez pas sur Snapchat, vous le savez peut-être pas, mais je suis allée à Nice pour le meet-up de Nice Sida, et donc du coup, je l'ai même pas ouvert. Et, en fait, j'ai pas envie d'ouvrir, j'ai envie de le laisser comme ça, mais je vais l'ouvrir quand même un jour. Et donc, elle a un petit appareil photo, vous savez qu'elle est dans ses fonds de vidéo, enfin, vous savez peut-être pas si vous la suivez pas, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos, faut vraiment la suivre si c'est pas encore fait. Un petit bracelet et un petit magnette, voilà. Et j'ai eu aussi une carte dédicacée, mais elle est déjà sur mon frigo en fait. Voilà. Donc j'ai eu ça, un petit souvenir qui fait très plaisir. Voilà. Ensuite, j'ai reçu comme tous les mois les livres Hachette. Vous savez, les livres de cuisine. Enfin, vous savez peut-être pas hein, si vous commencez à me suivre, parce que j'ai vu que malgré qu'il y ait eu peu de vidéos pendant mes vacances. Mon nombre d'abonnés a quand même augmenté, même si on est encore 4000 pour le prochain concours. Là, je vais dépasser les 1300, donc je suis contente. Donc voilà. Donc, les petits livres de cuisine Hachette, dont je suis abonnée. Et en fait, je pense que je vais me désabonner parce que je les aime bien, ils sont pas mal. Mais voilà, en fait, je les regarde une fois et je fais jamais les recettes et ça me prend beaucoup de place. Donc je pense que c'est les derniers. Donc là c'est dessert et pâtisserie d'ailleurs. Donc voilà, il y a beaucoup de voilà, cornes de gazelle. Ouais, c'est beaucoup de pâtisserie orientale. Ça a l'air très très bon. Ensuite, donc un petit livre de sauce et condiments. Sauce et tomates, fumée de poisson, fond de volaille, etc. etc. Alors ensuite, cuisine en cocotte, donc ça c'est tous les plats un petit peu familiaux, hivernaux, voilà, artichauts, voilà, barigoule, chartreuse de choux au petit salé, cuisses de canard confites, etc., etc. Et le dernier, lasagne et pâte farcie, voilà. Roulée aux épinards à la béchamel, ravioli aux asperges vertes, voilà. Donc
c'est le 31e livre, donc c'est pour ça que je vous dis, ça me prend de la place dans ma bibliothèque. D'ailleurs, je vais bientôt faire une brocante et je pense qu'il y en a que je revendrai à la brocante parce qu'il y en a que ça ne m'intéresse pas du tout. Et donc, le prochain, c'est les recettes de printemps. Voilà, mais je pense que, je sais pas. J'ai envie d'arrêter d'un côté parce que comme je vous dis, ça me prend de la place et finalement, je ne les regarde pas tant que ça. Et d'un autre côté, je me dis, mais peut-être que tu vas me manquer le livre de la collection que t'aimerais trop avoir. Donc voilà, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires si vous continueriez ou si vous arrêteriez. Ensuite, alors là, j'ouvre un colis, je sais pas du tout si c'est pour moi ou pour un soi, ou pour mon soi. J'en fais qu'un pour le moment. Donc on va regarder ça pour voir si je peux vous montrer. Oui, je peux vous montrer. Alors, je vais faire ça. Donc, j'ai pas reçu ce que j'attends pour le swap. J'espère que je vais recevoir bientôt. Donc, comment ça fonctionne? Donc, c'est une perruque. Voilà. Parce que comme vous avez vu, hein, j'ai pas fait d'aparté sur mes cheveux, mais je pense que ça se voit que j'ai changé et de coupe et de couleur de cheveux pour revenir à ma couleur naturelle. Donc c'est une coloration qui ressemble à ma couleur naturelle. Hein. C'est pas mes cheveux qui sont redevenus dans ma couleur naturelle. J'aimais beaucoup le blond, mais voilà, après 2 ans de décoloration, enfin ça faisait 2 ans... Je vous l'avais expliqué dans une vidéo, ma vidéo « Comment entretenir des cheveux décolorés ». Je vous avais expliqué dans cette vidéo que voilà, ça faisait 2 ans que je décolorais, que je recolorais, que je redécolorais, etc. Et les pointes étaient quand même assez abîmées. Et donc du coup, je me suis dit, je vais couper. Donc là, ils sont très courts. Hein. J'aime pas trop les avoir aussi courts, même si j'aime bien cette coupe. Je préfère quand ils sont un peu plus longs, mais ils avaient vraiment besoin d'être coupés. Et voilà, donc je les ai coupés, j'ai refait ma couleur naturelle et je me suis dit pourquoi au lieu de t'abîmer tes cheveux, etc. Parce qu'en plus, je me lasse assez vite. Le blond, je m'en lassais pas trop. Et je me lasse assez vite. Je me suis dit pourquoi ne pas acheter des perruques. Donc voilà, j'ai acheté une perruque. Ça doit être magnifique là, ça doit être hyper bien mis. En plus, je ne me vois pas du tout dans le retour écran. Donc ça doit être magnifique, voilà, mais du rouge à lèvres sur le voilà. Parce que pareil, je voulais faire un ombré, fouille l'étiquette et tout. Je voulais faire un ombré, voilà, gris. Je me suis dit, ça va encore niquer tes cheveux et tout. Oulala, là là, la perruque vers ses cheveux par contre. Hein. C'est pas une perruque, je l'ai payée 9,90€ celle-ci. Hein. Après, vous avez des perruques à 60€ et tout. J'ose espérer qu'elles sont de meilleure qualité, qu'elles font plus vrai, etc. Mais voilà, je me suis dit, pour délirer et tout. Pourquoi pas, ça peut être sympa. Voilà, donc je ne me vois absolument pas à quoi je ressemble. J'ai peut-être l'air ridicule, mais c'est pas grave. On va continuer la vidéo comme ça. Normalement, il y a un petit truc à mettre, mais bon, là... Voilà, bref. Et ben... Ça a fait. Donc, on va passer au meilleur. Vous reconnaissez ce que c'est, ça? C'est Sephora que j'ai bien pu acheter chez Sephora encore. J'ai craqué. C'est à cause de toi, Elisa. C'est à cause de toi. J'ai craqué. J'avais dit que je ne craquerais pas avant le mois de septembre. Et j'avais même dit, peut-être, pas avant le mois de novembre, où je demanderai ce que j'ai acheté pour mon anniversaire avec mes parents. Mais ma copine Elisa m'a envoyé un code promo. Et je me suis dit, Milune, tu ne peux pas, tu ne peux vraiment pas ne pas te commander la nouvelle palette d'Urban Decay. C'était impossible avec ce code promo qui m'a fait pratiquement 15€ de réduction sur la palette, qui en vaut 49,50€ si je ne me trompe pas. Donc voilà. Donc on va l'ouvrir ensemble, je pense que vous la connaissez. Hein, toutes les youtubeuses beauté l'ont montré, etc. Donc voilà, hein, les youtubeuses beauté, c'est un peu le mal pour nous les femmes, on va pas se mentir. Donc elle s'ouvre comme ceci.
Après, encore une petite boîte avec des allumettes. Et regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Oh, c'est trop beau. C'est trop beau. C'est trop beau. Oh, c'est trop beau. C'est trop beau. C'est trop beau. Ah, bah, du coup, j'ai une petite machine qui sort. C'est un peu ridicule, mais sinon, la perruque, elle est pas si mal que ça. Ah, mais j'aime bien cette perruque. Si jamais comme il faut, elle fait. Si là, un peu, on voit un peu que c'est du défaut cheveux. Ah, mais sinon, j'aime bien. Oh, j'aime bien cette perruque. Putain, pour 9,90€, je m'attendais pas. Bon, après, elle est mal mise, etc. Ah, mais j'aime bien. Excusez-moi, hein, je vous parle de la palette machin, et puis je me vois avec la perruque. Et j'adore. 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 Puis j'aime bien la coupe. J'aime bien le dégradé, j'aime bien la coupe. Bref, c'est pas ça qu'on parlait. Hein. Donc voici la nouvelle palette Urban Decay It. Avec des couleurs un peu marron, taupe, un peu flamboyant quoi. Donc c'est un petit bijou encore une fois. Hein. Comme toutes les palettes Urban Decay on va dire. Et du coup je pense que... Je vous ferai un tuto très prochainement. Et aussi ce que j'avais envie de vous faire, parce que je commence à avoir une sacrée collection de palettes, pas que Urban Decay. Et j'aurais bien aimé en fait vous faire une vidéo sur toutes les palettes que j'avais et qui se vendent encore. Hein. Je ne vais pas vous faire une vidéo sur des palettes que j'ai depuis 107 ans. J'enlève juste le scotch là. Je vais pas vous faire une vidéo sur des palettes que j'ai depuis 107 ans. Mais j'avais envie de faire une vidéo parce que je commence à avoir une petite collection de palettes. Donc les palettes qui se vendent encore et vous dire ce que j'en pense. Est-ce que je trouve que ça vaut le coup? Est-ce que c'est une palette dont je me sers beaucoup? Est-ce que je regrette l'achat que j'ai fait, etc. Je pense que je vais vous faire une vidéo sur toutes mes palettes et sur ce que je pense de ces palettes très prochainement. Dites-moi dans les commentaires si ça peut. Voilà, vous cette vidéo est maintenant terminée. Je n'ai rien oublié, je ne crois pas. Voilà. Donc, moi, je vous fais de très très gros bisous. J'ai été très contente de refilmer cette vidéo. Et puis, enfin, de repasser derrière. Donc, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne encore, bah, faites-le. Vous allez avoir le petit rond avec ma tête qui va s'afficher. Bah, cliquez dessus pour vous abonner. Mettez des pouces en l'air. Partagez ma vidéo sur vos réseaux sociaux. Et puis, moi, je vous retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!